Bard ban, frère. Ouais, je sais, je veux pas, il a choqué une game. Bard ban, j'en reviens pas. Bard Bardouette. Bah, frérot, ils ont. Bref. Je pense, très honnêtement, que c'est un peu target. Merci pour les primes, Bluefire et espèce DD pour ton prime. Mais tu sais que c'est les mêmes lobbies, c'est les mêmes joueurs. Mais il y a un OTP, tu le bannes en chal, c'est la même chose, sale chien. Ah, c'est bon, c'est une merde. Allez, bonne chance avec les masters, VTO, j'espère que ça va bien se passer ta game. Je prends 30 et moins 15, comme tout le temps. 30 moins 15 ouais. Tu mens. Si. Pourquoi tu rigoles? Comment ça, c'est une honte? Mais c'est les toutes premières games, toi aussi en master, en low master, tu tapais ça, non? Après, je tag vraiment, tu full chal en master, c'est normal, tu vois. Bon compte? Ah, t'as dit à toi? Ouais, j'avoue que toi tu t'es refait Dookie, je sais pas comment c'est possible. C'est vrai que Victor, à chaque fois, il a le meilleur win. Genre, en ce qui change, il avait le meilleur win rate, mais il a pas gagné. Ah, mais voilà, t'as des chal! T'as 3 chal, bah voilà. Ah, lui, j'ai joué avec lui, il est pas très fort. L'Axaria en face. Bah, c'est bon! Il a des chals Veto, il a 3 chals dans sa game, c'est bon, on va pouvoir se proc. Et là, tu gagnes ta game et c'est bon. C'est fini. Skin, bien vu. Et pourquoi sur... Pourquoi sur Akane, je peux pas acheter de skin? Ah, je peux acheter que skin de merde. Ouais, j'ai trop le seum. Ah, celui-là. Oh! Merde. Bah, mets-toi en bleu, frère. Attends. Ouais, c'est bon. Alors, je veux pas dire, mais je pense que c'est la Kai'Sa qui la ban. Et j'ai joué 4 fois contre lui, que des bards, et je l'ai tout le temps arraché. Après, je dis ça, je dis rien. Mais lui là, lui je l'ai pris. MNS, s'il te plaît, une game. Attends, je suis pas avec le meilleur réseau du monde. Une game MNMs, s'il te plaît, Orioné, fais-moi une bonne game. Mais lui, je pense qu'il a ban bard lui. Et on est re contre putain de Genjia. Plus frère. C'est PZ Zeng. Ok. Ouais, c'est le Yasuo, le GOAT quoi. C'est le GOAT. Bon bah on va focus hein. Pas la fox encore en face. Ah mais Nems. J'aime pas le matchup que je joue, je sais pas le jouer. Et je pense qu'il est vachement en faveur Real Kai'Sa. Il gâche les games d'un gris, ouais. Il y a des meilleures games que les pros. Bah là, je t'avoue que la game elle est insane, ouais. Toutes les games aujourd'hui ont été insane. Enfin, aujourd'hui on a proc Chovy, Rouleur. On proc Junja, je le proc 5 fois. Pour moi, c'est le meilleur jungler que j'ai croisé, vraiment. On a proc Tarzan. Oh, c'est trop ce qu'on proc. On proc le GOAT ADC dans le top 10, là, l'ADC de RNG. Par contre, il commence à ban bard et ça, ça. Quelque part, c'est une fierté, mais quelque part, ça me pète les couilles. Après, Rakan, ça va, c'est pas comme si j'étais mauvais dessus. Faut juste montrer, tu vois, genre. Non, t'as plus le creep, tranquille. On lui deny. Nice. C'est bien. On l'avait plus au MG Argent de Tréton. Y'a plus de pub là, bande de menteurs. PZ Zeng. Oh le goût. Pour le coup, j'ai vu tellement de compilations de PZ Zeng, frérot. J'ai probablement plus vu de compilations de PZ Zeng que le visage de Madaron les 6 derniers mois.
Et quelque part c'est très grave. On va se faire gank là, vu comment il joue l'autre là. Pourquoi il s'avance? Pourquoi il space in? Il m'énerve. Ok, franchement ça sort très très bien. Non, je suis loin, j'ai pris le mauvais chemin. Fuck, j'ai pris le mauvais chemin. Non, 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 il y a, là, il y a du monde. Il y a pas moyen, il y avait pas une sphère. Ah, dommage, pas. Oh non, elle a raté, Linda. M&M's. Hein? Vous êtes devant? Nice. C'était très très bien de flasher Natalia, je pense que c'était le play à faire. Juste dommage, j'avais pas de sphère. Mais c'était vraiment le play à faire. Elle avait pas de flash, c'est pour ça que je l'ai flashé. Ça va faire 1 pour 1, c'est pas mal. Hein. Ils ont perdu probablement des creeps sous tourelle. C'est franchement pas mal. Me fait ping frère carrément. J'avoue, il a raison, les botlane ça n'avait aucun sens. Il a, pour le coup réel. Il a totalement raison. Du coup je suis super sur la map, sale chien. Je vais 16 step son combo à l'italien. Je vais le W, je pouvais pas le 16 step, il était trop bien placé. J'ai pas W frère, je viens de le use. Non, c'est trop comment l'Indalis se fait driller. C'est trop comment l'Indalis se fait driller. Parce qu'il était 100% mort à la Talia s'il touche le Q. Oh. En fait, elle attendait mon W, j'ai l'impression. Non, M&M's. Ça va. Oh, c'est dommage, je mérite pas. Normalement, c'est kill pour nous. Juste l'Indalis a pué sa grand-mère. Je le seum. C'était vraiment kill pour nous. Bon, après, ça m'est bien zéré, c'est la bonne nouvelle. Il a pas encore back aussi, c'est vrai. Mid il a perdu son flash, mais je crois que le Jace a flash in aussi. Là, il est indité, Morakan. Close. Je suis partisan de mettre cette sous tourelle et d'aller roam autour du Lucian. Il a raté tellement de trucs dans le début de game, c'est dommage. Je suis partisan d'aller prendre cette pink. Elle va la défendre. Yatalia. Important à prendre celle-là. Zenzeg est en train de le driller au top, ça se sent. Ça se voit sur la carte, comment il trade. On récupère la vision, on va back probablement juste après. Je fais genre que je reste au mid juste pour jouer le fog et pour donner une ward au Lucian. Quand je dis une ward, c'est genre une ward vivante quoi. Pff, c'est de la merde, faut avoir Talia. Non, c'est nul, c'est. Il n'y a pas de kill possible, il sait que je suis là donc il va jamais aggro. 53 16 à 29 au top 1. 53 16 à 29. Hein. Je répète 53 16 à 29. Alors il y a Rel en première. Oh, le jumping vraiment. Ouais, ça je suis shooter ça. Hein? Attends, elle attendait le flash? PTDR. Il s'est brain tout seul. Il attendait le flash du Yasuo, c'est pour ça qu'il a fait ça avec sa queen. Et là, Yasuo a un HP et au lieu de back, il veut faire un montage play. Regarde-le, regarde-le, il back devant elle. Il veut faire un montage. Il veut juste faire un montage alors qu'il a une TP. Hein. Là, il est en mode montage, il est en mode lol-nam. Il y a Talia. Hein. D'ailleurs, je sais pas ce que je fous là parce que je sais à rien ici. On perd le 2v2 probablement. Après, tu me diras, il veut.
Niveau 600 à 0. Niveau 6 que ça ira. Je vais bouger. Est-ce qu'elle va pas se faire coin? La réponse est si, et elle s'est fait driller et j'ai raté mon W, je suis mort aussi. J'aurais juste bougé. Get hard, c'est bien. La carte gagne. Même si je te rate pas mon W, je pense que je suis mort. Elle me suit avec l'ultimate là qui est ça. C'est pas la même Keepfing, ça me dit un truc. J'avais pas dit qu'il était nul. Peut-être j'ai menti. Faut être mental. Ouais ouais non mais je suis fine. Même si je suis en 0-3, je suis fine dans la game. Ah c'est la même Xayah. Excusez-moi mais par rapport aux autres ADCK, il est vraiment gaze. Parce qu'il fout là hein. Il fait des erreurs tellement grandes. Je peux rien faire, ça un choix là. Y'a rien que je puisse faire sur la carte là Thème. À moins que Nida vienne et on continue. Elle veut les top. Je comprends. Le truc que je vais pouvoir faire, c'est freeze la wave s'il va top lane. Il tue au top, probablement. Faut pas qu'elle puisse mourir au bot, faut que je décale. Faut que j'aille cover. Ouais, je cours, mais je suis loin. Il y a Talia et tout, moi je pense que ça pue. Hein. Ouais, il a clear la wave, mais il a tellement mal fait. Il l'a fait trop tôt et sur une wave qui est pas canon et tout. Il y avait pas Talia, il a surréact de fou. Il a tellement surréagi, tellement gaze. T'es ban bard, ouais. Bon, on a un top 7 qui est trop bien, donc c'est pas grave. Ils peuvent pas nous dive, faut pas déconner. Encore un peu, dommage. Je peux pas le W in, je vais me faire instant remettre sur tourelle et je vais mourir. Ah plus W1, elle vient de W je pense. Nice. Trop tard, il a ulti dans le vent, à moins que... Oui... Big. MNM si je joue bien, genre pour la game. Dommage. Yes. Ok, on est très bien dans la game. Franchement, je fais une bonne game même si je suis en 0-3. Nice try. On va faire des combos toi et moi. On va vivre le rêve. Alors le problème qu'on va avoir c'est la Talia. Surtout Talia XRL, c'est chiant. Je peux pas jouer, j'ai Nidalee qui base, j'ai que Zeri sur la carte, on est pas fort. Très dangereux ce que je fais. Très dangereux parce que Talia peut être sur moi. Ils sont là. Hein. Ils sont bot. Mon niveau 6, j'aurais dû être botlane, my bot. Je vais prendre mon niveau 6 au mid, c'est pour ça que je suis resté. Y'a un héros de la faille à use. Il est mort lui hein. Peut-être se faire choper au top, je fasse gaffe.
fais genre que je back, mais je vais cancel mon base et je vais aller top lane parce que je suis quasiment sûr qu'ils vont lui mettre un gank. Retourner bot ça aurait pas de sens. Ok, bah il back, il est genre, il est malin. Ils sont en fait, ils sont bien. Le base est très bon et en effet, c'est top side. C'est normal qu'il lâche le Drake. Tu vois, typiquement, ces games là en chal EU, les mecs ils seraient partis pour le dragon et du coup, on l'aurait pas eu gratos. Du coup, on aurait pas dû jouer pareil. Enfin, ça aurait créé une clone fiesta. Là, juste sur la. Ça m'a fait peur. Là, juste sur la carte, ça joue juste logique, tu vois. Enfin, s'ils savent qu'on a le dragon, du coup, ils vont pas le contest. Du coup, nous, on peut préparer déjà le play en face qui est que la Talia va venir invade le red buff. On va venir choper le Yasuo. T'es où, Jinja? Ah, il est mis. Il a un flash. Ah, j'ai le guitar. Il est mort. Mais je suis mort aussi, my bad, j'ai pas cru. Ah, je crois que c'était mon allié, dommage. De GQ de réalité bien. Si j'y crois, il meurt pas à MNS et on les tue tous les deux. My bad. Attention, y'a Queen, 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 Queen là. Et il donne un shutdown. Pas faute de l'avoir, pink. Dommage. Après Zeri et Yasuo se mettent bien. T'es pas pixel, non, je suis pas pixel en game. Après il a bien flash avec sa Talia. Et moi je m'attendais juste pas à ce qu'il fasse aussi mal à MNS et qu'il résiste aussi surtout. On est quand même très bien dans la game. Mais il y a des petits détails qui font que c'est dur. Pouah, c'est dangereux ce qu'il fait, hein. Je suis pas chaud. Hein. Peut-être en top aussi. Hein. Bien joué. Il a bien suivi PZTank, il m'a vu direct. Il a pas continué son héros de la faille, il a directement compris que c'était le bon play, c'était de faire ça. Et il a bien raison. Non, j'étais court. En fait, j'y ai pas cru. J'y ai pas cru et je devais y croire parce que c'était free win. Ah, je suis en clan de pas y voir cru. Clairement, je l'ai. Hein. Si j'y vais plus loin. Oh, je dois juste focus l'arrêt sinon il go back. Putain. Objet, objet. Le goût. Pas le goût. Il a pas son ulti, je peux pas. Je fais le mauvais stuff en plus, je pense que le reste pas ouf. Je joue verdure. Bah, radule. 50 secondes ult, j'ai mon flash, je pourrais faire une folie. Ça fait 1 pour 1, ça reste ok. Puis s'il avait pas flash avec sa Talia, oh, y'a du monde probablement qui vient en tapant. Pour le coup, c'est pas un montage player, le frérot, sur son Yasuo. J'avais peur de ça, mais c'est juste un mec qui joue bien et qui comprend bien la carte. Et c'est grave cool. Parce que beaucoup des mecs qui sont dans les montages sont nuls. Et lui il joue vraiment bien putain. La carte de putain elle joue super bien. C'est très dur pour moi parce que Talia et RL sont des énormes menaces et bloquent beaucoup de mes possibilités. Putain, ça joue la carte, ça joue bien. Je back, c'est un peu chiant parce que c'est le moment où Yasuo a un décalage, mais je suis obligé de back pour les wards et pour le dragon dans 30. Tendu la gamin.
ça joue vraiment très très bien. La Kai'Sa, faut vraiment que je la chope. C'est mon top en vrai. Faut que j'ai confiance dans mes engages. Pas mal. Attention ici. Non mais... Non c'était merde. C'est un que je flanque, on les bat en face. Ah non c'était pas c'est vendu de Thalia en fait. Si je flash in juste, enfin c'est juste je W sans flash in avant, elle veut E instant et je peux pas jouer. J'aurais dû fight instant. Vas-y hein, go. Oh là là, il est smooth. Oh comment c'est smooth. Le truc il a bien flash hein, mais putain il est smooth hein. Oh, pop 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 pop. Ah tu sens que c'est du Yasuo de compétition hein. C'est pas Yasuo qui fait 0-10 dans ta solo queue européenne hein. Oh non. Oh non. Je pense qu'il pouvait la faire partir l'auto-attaque. Faut que la Zarya tue tout seul. Non mais elle c'est vraiment... Lui c'est vraiment une merde. Non vraiment, lui il est vraiment nul. Le reste de la game ça joue vraiment bien mais lui... Ah juste lui hein, je suis obligé. Eh c'est de la merde. J'ai forcé le play pour rien. Non mais lui vraiment vraiment va te faire foutre. Ça fait deux games, va te faire foutre, il me tilt. Deux games, il est trop trop nul. Bien joué. My bad, j'aurais pas dû mourir cependant. C'est pas une excuse pour mourir d'avoir un mec qui run down dans ma game. Contre son camp, non, je vous jure, il est trop gaze. Je le jure. Après, je dois pas go in sur elle, je dois juste pas go, je pense. Parce que mon Thalia CD, je peux pas en fait. Il me faut un flash. Ah, ils sont pas dessus, ils sont pas dessus. C'est winnable. C'est Thalia et Kai'Sa les problèmes. Attends, Kai'Sa va faire mal, en bordel. Le gap AD, sa mère. C'est une la game, ouais, non. Je sens beaucoup moins serein que sur board. Bah juste j'ai un ADC qui m'a mis dans la merde hein. Mais si l'ADC m'a pas mis dans la merde, je te jure que la game sera un tout droit hein. Après ouais je suis quand même moins confiant que sur board, c'est vrai. Y'a tout le monde. Par contre on pourrait jouer le Nash non. Mais une pression de fou sur la carte avec son Yasuo. Du coup j'ai toute la vision. Et c'est juste aussi que Rakan dans Rel et Thalia c'est vraiment premier degré très difficile hein. Non, ils me suivent pas, ils se tendent le red buff, je peux pas go. Là, vous avez dit qu'il m'a pas vu. Oh non, il m'a pas vu. On va pour une tape. Ok, on gagne, je l'ai pas eu. On gagne plus. Je prends trop cher. Dommage, c'était potentiellement la game. Je sais pas pourquoi il nage pas. C'était vraiment bien comme engage, on a pas réussi à le tuer quoi. Il a TP et l'autre c'est Queen hein. Imo ça pue sa mère. Mais ce n'est que mon aide. Ouais c'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse.
Y'a lui qui a une TP et tout. M&M's. Ouais. 50 secondes Drake, le truc c'est là du coup on a été forcé de rester sur la carte et Zeri a plus d'ults et là maintenant c'est pour eux. Très très grosse erreur de la team. Faut que je flanque sinon je peux pas jouer. Merde, j'ai touché pas une double lock. En confiance sur Bard, hein. Bic. L'année d'Ali a été chaude aussi. J'ai trop d'ego là, faut que je perde des games. C'est, je mérite de la perdre, j'ai trop d'ego et je pue sa merde dans la game. Soyons sérieux, je pue la merde et j'ai de l'ego, je suis une merde. Je suis une crotte. Faut drop l'ego fast. Accepter que la Zeri est pas forte certes, mais que j'ai pas été fort non plus. Et improve. Parce que c'est bien marrant de faire des bonnes games sur Rakan, mais quand y'a plus Rakan, y'a plus personne, hein. Pour carry des games. Y'a quelqu'un pour faire des games ok tiers, tu vois, mais y'a plus personne pour carry. Après, je pense que Rakan, enfin je pense que Barb est broken as fuck. Non, du coup, je sais pas ce que j'ai dit, je sais plus ce que je dis, il est tard. Je veux bien la carte, ça je suis d'accord. C'est un truc qui est constant, c'est que la carte ça va. Mais là, le W out que je mets, c'est une honte. Je dois jamais W out tant qu'il commit pas d'esté sur moi. Après, le flash in était clé. Non M&M's, non M&M's, non M&M's, t'es idiot. Bah t'es mort, je peux rien faire, t'es mort. Et tu prends un trade kill mais on est pendant un match donc c'est de la merde. Putain. J'aurais pu prendre un combo de Talia, j'avoue que j'ai eu peur. Je lui ai pissé dessus frère, je lui ai pissé dessus. Je lui ai sidestep sa grand-mère. Je lui ai sidestep sa grand-mère à Junjia là. Oh PC Zeng. Let's go. Bon on finit sur un très bon play mécanique pour le coup. Je l'ai détruit frère. Il est trop fort, PZZ, il est trop fort. Les légendes étaient vraies. C'est un vrai bon Yasuo, frère. C'est un vrai bon joueur. Genre, il a pas joué pour les... Il a pas joué pour les caméras, il a juste joué pour gagner la game. C'est un vrai, vrai, très, très bon joueur. C'est une super game de jeu. Il a pas de shutdown une seule fois avec Yasuo, faire ça, c'est fort. Bon ça va, on n'a pas été trop frauduleux. J'ai fait des très bons trucs, des très mauvais trucs et je me suis trop plaint. Ça par contre c'est grave. Je suis là, je suis dans la game de mes rêves et je gna parce qu'il y a la Zeri, je suis une merde. Alors que je joue avec le GOAT du Yasuo. T'as gagné ta game chale ou pas? Tu s'en bats les couilles de moi frère.